met un poteau ici. Moi, je vous tiens ça. Vous pouvez vous débrouiller comme vous voulez. Moi, je vous donne juste le point de départ. Vous savez que j'ai un rectangle. Vous connaissez les mesures. Vous les avez retenues. Ça sera comme une maison, mais en plus petit, vraiment plus petit. Et les murs, ils sont faits, les coins, ils sont faits de bois. Mais à l'intérieur, c'est fait de bouteilles qu'on a ramenées de chez nous. C'est un moyen de recycler les bouteilles aussi, au lieu de les jeter. Et il y a des murs, tout simplement, une porte, normalement. Et un toit, s'il reste des bouts de bois. En fait, c'est comme une maison classique, mais en beaucoup plus petit. Cette année, on va monter la serre, on va la construire. L'année dernière, on a passé beaucoup de temps à la construire, mais là, on va la monter la structure. Donc, on va pouvoir faire d'autres projets avec cette serre-là, comme par exemple un système d'alarme sur la serre, des lumières qui s'allument automatiquement, installer des capteurs et gérer ça via un logiciel. Il n'y a pas que la technologie, c'est important à savoir. Il va y avoir plusieurs supports. C'est un projet qui va nous aider à travailler une interdisciplinarité avec les SVT, le français, et aussi avec l'école primaire. C'est ce qu'on compte faire cette année. Ce que ça m'apporte de travailler en autonomie, c'est plus créatif. On peut faire ce qu'on veut. Enfin, pas ce qu'on veut, mais on peut proposer des idées, tout ça. Non, c'est pas tous les jours qu'on fait un projet comme ça, en fait, une serre avec du bambou et des bouteilles, c'est original, quoi. J'ai trouvé que c'était bien et je voulais aider à le faire. Ce qui me plaît le plus, c'est en fait l'organisation. C'est bien réparti par groupe, c'est une autre façon de travailler qui m'apprend plus de choses. Par exemple, des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, quoi. Du jardinage, enfin. Comment creuser, voilà, c'est pas à l'école qu'on va apprendre ça. Grâce à ce cours, je peux être avec mes amis en plus. Au lieu de rester en permanence à rien faire, je peux être ici à travailler, à faire quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est bien de faire une serre pour tout le collège. On sait que c'est nous qui l'avons réalisé, du coup on est content de l'avoir fait.